Bonjour, bonjour mes abonnés, comment allez-vous? Oh, bien, j'espère. Moi, je vais bien. On va faire une marche ensemble sous la neige à Montréal. Non, je ne montre pas mon adresse, ça c'est correct. Ah, vous vous plaignez tout le temps. Oh, il y a de la neige. Eh, pareil, ma nièce, je t'ai vu, hein. La poudre de farine qui est chez vous en France là-bas, la poudre de farine versée à terre là. C'est à cause de ça, il ne peut pas respirer. Tata, il y a la neige. Tata, il y a la neige. Voyez-vous? Montagne de neige. Vous voyez ça là? Ça, c'est le Canada. La neige ne nous dérange pas ici. Ici là, la neige ne dérange pas. Ici, c'est le froid qui dérange. La preuve, hein, il a neigé. Il a neigé, comme je vous dis. Mais on s'en sort. On s'en sort très, très, très bien parce que le système de déneigement est très développé au Canada. Oui, des villes comme Montréal, oui, parfois, ça prend du temps. Oui, l'impacteuse habite à 25 minutes de Montréal, dans une ville qu'on appelle Blainville. Allez taper sur Internet. Je suis dans les Laurentides. C'est ça. Donc, comme je vous disais, la neige, là, ça ne dérange pas ici. Ce que vous avez pris hier pour pleurer, vous les gens de France, il y a vu mes parents, hein? Il fait froid, il y a la neige. Voici ça. C'est ce qu'ils appellent poudre de farine. Ça là, ça dit que la mairie est passée. Et puis la mairie a nettoyé. Propre. Maintenant, quand la mairie nettoie là, tu dois avoir un système de déneigement privé chez toi. Donc, c'est ça. Ceux qui ne veulent pas avoir de système de déneigement là, eux, ils ont des tentes. Voyez-vous, comme mon voisin là. Voyez-vous? Voilà. Les voitures, là, ils mettent leurs voitures sous des tentes. Mais même à ça, tu dois encore toi-même venir déneiger devant ta maison. Vous comprenez? Voilà. Pour vous expliquer, il faut que quand il y a les petites poudres chez vous là-bas, vous pleurez, comment on appelle ça? Vous pleurez, oh, il y a la neige. Ça, c'est pas neige, c'est que vous avez là-bas, là. Comme je vous dis, au Canada, c'est pas la neige qui est problème ici. La neige n'est pas problème. Ce qui est problème ici, là, c'est le froid. Voyez-vous, il a neigé, le froid a commencé tranquillement. Vous comprenez? C'est ça. Allô? Oui, bonjour. Ben, dites merci à votre père parce que hier, il a aidé mon conjoint. Là, on était pris dans la neige ici. C'était moi. Ah, c'était vous? Ouais. Ah, il a dit que non, c'est le père. J'ai dit, ah oui? Ben, merci, c'est gentil. Écoutez, hier, c'était l'enfer, là. Oh my God. Ouais, c'est ça. C'est mon voisin, il a aidé le roi. Le roi était pogné hier dans la neige. J'ai dit, les voitures, on ne peut pas sortir avec ça. Voyez-vous, hein? Voyez le paysage là. Montagne de neige ici. Hein, il y a une machine là-bas, donc je vais quitter là-bas. Vous comprenez? Voilà. La neige du Canada. Et puis ça, c'est petit. C'est ce qu'il disait hier à la mer. J'ai dit, la mer, ça, c'est petit. Quand on dit tempête de neige, nous, on a eu des tempêtes de neige là, où ça t'arrive jusqu'à la cuisse. Ici, à Montréal. Et en ce moment, on n'avait même pas d'auto. Il n'y avait pas encore de voiture à l'époque, quand on est arrivé nouvellement au Canada. Donc, mes parents disaient, vous qui m'avez envoyé les vidéos de la France, là, et la neige, ce que vous avez là, c'est la poudre de farine. Nous, on appelle ça la poudrerie au sol. C'est comme on appelle ça ici, au Canada. La neige n'est pas un problème. Comme je vous disais, le système de déneigement est très efficace. Vous comprenez? Et puis en France, ce que j'ai appris, vous n'avez pas les pneus d'hiver. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de neige là-bas. Ça vient un peu seulement. Nous, ici, dès qu'on commence à rentrer dans octobre, tu dois changer tes pneus de ton auto. Parce qu'il te faut des pneus d'hiver pour la saison hivernale. Donc, effectivement, la neige, là, il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup, mais ça ne nous dérange pas. La preuve, là, j'ai porté mon petit poncho toujours. Avec l'effigie du Canada. Puis ça ne chauffe pas. Mamie Canada. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Là, je fais une petite marche dans mon quartier. Ça, c'est mon voisin sur la gauche. Voilà. Et comment ça fonctionne le déneigement? Comme je vous expliquais, si tu es un déneigeur privé, tu dois sortir les autos. Je dis les pays, généralement, on a deux voitures dans nos maisons ici. Deux voitures au moins. C'est ça. Voilà, voici mon auto qui est là. Vous la reconnaissez, hein? La CRV, ouais, c'est ça, 2021, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est dimanche, après la neige. Chacun déneige un peu devant chez lui. Voyez-vous, voici mon voisin là-bas, qui déneige là, de son côté. Ici aussi,
C'est ça. Donc arrêtez de pleurer. Allô? Ça va bien? Ouais, moi je vais bien, merci. Arrêtez de pleurer qu'il neige en France, nanani, nanana. Ouais, ici il fait beaucoup de neige ici. Il y a beaucoup de neige. Mais malgré la neige, on vit bien. Voici mon quartier que vous voyez sous la neige. On appelle ça un quartier familial. C'est le quartier familial qui a de l'impacteuse. Voilà, c'est ça. Vous avez vu le monsieur là-bas, lui il a porté sa combinaison. Oui, il est, voilà, vous le voyez, non? Il est en train de déneiger devant chez lui. Voilà, parce que même si le déneigeur privé est passé, mais il passe pas devant, il va pas déneiger devant ta porte là. Donc ça veut dire que toi-même, tu vas sortir pour faire le travail. Donc, Chanel, les pleurs que tu m'as envoyé hier, tata, il a neigé là. Arrête-moi ça, comprends? Allô, ça va bien vous? Ok, c'est ça. Bonjour, vous allez bien? Ok, ben je fais une vidéo de notre quartier pour envoyer ça à des amis. Ouais, ciao, ciao. Donc, c'est ça là. C'est ce que l'impacteuse voulait vous dire. Les affaires de pleurer pour deux poutres de neige là. Pleurez pas. Ça, c'est rien. Voilà, malgré ça, on vit bien. On est heureux au Canada. Le pays où coule le lait et le miel dans le même robinet. C'est ça qui est là. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire. Vous comprenez? Voilà. Ne vous offusquez pas pour des petites neiges là-bas. Voilà. Un pays même où on n'a pas besoin d'exiger des pneus d'hiver. Donc, ça veut dire que c'est juste des petites poudres au sol, comme j'appelais ça hier, la farine au sol. Au Canada, la neige n'empêche pas les gens de vivre. Voilà, vous voyez, non, chacun est devant sa cour. On nettoie. Et puis la vie reprend son cours tranquillement. C'est ça. Donc, comme je vous dis là, tous mes wo-wo-wo, je fais sur les réseaux sociaux là. Et bien, le derrière est déjà soudé. Je prends les réseaux sociaux pour faire mon hobby. Sinon, ma vie là, elle chauffe. Ma vie chauffe. Voilà. Ok. C'est ça. Vous voulez neige? Voici une montagne de neige qui est là. Ça, c'est petit. Voici une montagne de neige. Voilà. Montagne de neige. La neige. Donc, mon frère qui m'a envoyé les petits trucs, il y a Moni qui neige ici. On est comme au Canada, je dis, c'est pas la même chose. Par exemple, neige que nous, on a ici. Et puis, on est dedans là. Si c'était vous là-bas, là, on ne peut pas écouter sur les réseaux sociaux. Voici la voiture qui est là. On sort les voitures et puis le déneigeur privé vient. Voilà. Ça, c'est ma soeur qui est venue. Elle dit, elle va faire un peu de... Essayer. Elle est en train de faire le permis. Elle est venue embourber la voiture ici. Nouveau chauffeur. Elle a embourbé la voiture, mais après, on va la pousser et puis la faire rentrer dans le stationnement. C'est ça qui est là. Donc, voyez-vous, bon, l'impact est-ce qu'il y a une vie comme ça là-haut? Elle prend le temps pour répondre au merconnier ou bien au merc. Non. De temps en temps, oui, j'ai guinzé. Mais ma vie, là, comme je vous ai dit, c'est ça. Voilà. Là, je rentre dans la maison. Voyez-vous? Ça, c'est devant la maison. La neige qui est là. On a déneigé. Et puis, c'est ça. Donc, la neige ne nous empêche pas de vivre au Canada. On vit super bien. Même quand il fait froid, on porte des habits bien chauffés. Et puis, on sort. Si ce, prenez soin de vous. C'était pour faire une petite marche avec vous en ce dimanche. Ciao, ciao.